C'est ce qu'on appelle une indemnisation extra-légale. Dans une indemnisation, vous avez une base, la base légale, et puis l'entreprise peut aller au-delà. Bon. Ce que le président de la République... va verser combien, ce que le président de la République a suggéré dans une réunion hier à l'Élysée, c'est qu'on demande à la SNCF de faire un effort exceptionnel. Combien par salarié? Vous avez cité la fourchette de cet effort exceptionnel. On est en train de regarder précisément les Donc choses. Autour de 50 000 à 60 000 euros par salarié. Dans cet ordre-là.